Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Mafia 3. Et j'ai envie de vous dire un c'est parti. Bon, j'ai avancé un petit peu histoire de voilà que ce soit pas trop long pour vous sur la route. Et allons voir Monsieur Birk. Essayez la porte derrière. Non, là. Burke. Ça faisait longtemps. Lincoln Clay. Putain de bordel de merde. J'aurais vraiment tout vu. Je te croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te proposer de faire affaire. Tiens donc. Je veux éliminer Marcano, ses frères et toutes les personnes qui seraient associées à lui. Et tu veux que je t'aide? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'occupe de Barbieri et tu récupères Pointe Verdun. Et ensuite, on pourra discuter du reste de la ville. Va chier. J'ai déjà fait affaire avec votre petite bande d'enfoirés. Et regarde où ça m'a mené. Je peux pas dire que je constate une grande différence entre avant et maintenant. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien, petit merdeux. Danny était tellement calciné que le coroner m'a même pas laissé le regarder une dernière fois. Si quelqu'un doit buter Marcano, c'est moi. À moins de traîner dans un de ces pubs miteux, il a pas beaucoup de soucis à se faire. Va te faire foutre. T'auras jamais autant de couilles que moi. Petit con. Qui vient jusque chez moi pour me provoquer. Toi et les tiens, vous vous barrez dès que ça commence à merder. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Ah, conduire comme un taré. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Et si je prenais le volant? Qu'est-ce que tu fous? Alors, merde, comment on démerde la chariote? Alors je me suis dit qu'on ferait une petite virée, histoire qu'on voit qui craque le premier. Le gamin ou l'Irlandais? Il y a une barre où... Waouh! Attention, je maîtrise rien! On m'a dit de faire le fou, comme d'habitude! Waouh! Oh, est-ce que vous voulez en volant? Ah, du coup, la barre redescend. Ah! Tiens, remonte un coup! Waouh! Mais c'est pour quoi? Ça monte pas, du petit dérapé s'en fout. T'as pas envie de vomir, là? T'as tiré le mauvais numéro! Eh bah attends, pour l'instant, ça va pas. Excès de vitesse, vas-y. Oh, oh, une petite collision. Allez, vas-y, ça fait du bien. Allez, vas-y. T'as tiré le mauvais numéro! Ouais, on a compris. On joue pas au loto, là. Bon, tiens! Allez vieux, c'est quand même pas le whisky qui te met dans cet état. Oh, tu te rends pas que parle. C'est ça, gamin. Mets-lui un bon coup de rein. Ah, comme ça. Ouais. Je trouve une bonne petite... Allez vieux, c'est quand même pas le whisky qui te met dans cet état. Ça devrait le faire. Essaie de prouver quoi? Au final, les collisions, ça lui fait pas peur, hein, mais avec ses vitesses... Ah, gamin, va mourir! Essaie de prouver quoi? Ça va, j'ai pigé. Pas besoin d'en faire des caisses. Bon, tiens, on va mourir tous les deux. Maintenant, dégage de ma bagnole. Monsieur, désolé. Par chez moi qu'on discute. Bah ouais, j'ai plus de voiture du coup. Ne t'avise pas de me parler. Ok. C'est bon, petit point. Pardon madame, ah bah de manœuvre, hein. Je débute. Les flics sont à côté, ils s'en foutent un tout petit peu. Bienvenue sur la voie de Delray. Ce soir, on va parler de cette expression que j'entends à toutes les sauces en ce moment.
Oh, mais pousse-toi. Est-ce qu'on parle d'une guerre verbale? Bonsoir. Déjà de retour, hein? Parle-moi de Barbieri. Barbieri. Bah, c'est une belle petite pute. Ça, je peux te le dire. Tu sais très bien où je veux en venir, Ben. Donne-moi des infos qui me sont utiles. Barbieri tient une fabrique de casse-poitrine. Dans la distillerie Sweetwater. Casse-poitrine? Vitriol. Eau de vie. Torboyau. Bibine. De l'alcool de contrebande, espèce d'abruti. Merde, vous buvez quoi comme gnôle, vous, à Négroville? Rien qui ressemble à du vitriol. Alors t'as raté ta vie, mon gars. C'est moi qui ai tout mis en place. Et là, ce sale enfoiré arrive. Et il me prend tout. Il me laisse crever la gueule ouverte. Barbieri va souffrir. Tu piges? Qu'il crève à petit feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre à part une distillerie? Ah, il gère aussi le vieil abattoir Roberto. Mais pas seulement pour découper des faux filets. S'il te traîne là-dedans, c'est fini pour toi. Je ferai le sale boulot moi-même, Burke. Mais une fois que Barbieri sera mort, je compte sur toi pour assurer. Oh, mais je ferai plus qu'assurer. Soit je contrôle toute cette saloperie de ville, soit je la fais cramer. Honnêtement, ça fera pas une grosse différence pour moi, de toute façon. A nation hunger once again. A nation once again. In Ireland long her province be a nation once again. Du coup, il me laisse cette voiture là maintenant. Ah. Bah voilà. Bah là, ok. Ah, bah là, encore là, ma voiture. Et Burke dit que vous êtes la seule personne sur qui je peux compter pour ça. Bah, à ce niveau-là, Burke est un putain de génie. Je vais affaire avec toi maintenant. Mais attention, tu conduis, on dirait moi. Oh là là, décidément. Une belle bagnole, comme vous l'avez demandé. Merci. Une belle bagnole toute cabossée. Merci, c'est ce qu'on préfère. Ayez courage dans la révolution, vous ne pouvez pas. C'est le fondement même de notre pays. Ah, le bâti de la chariote. Du jour des tyrans et faire couler le sang pour notre liberté. C'est une belle chose, chers auditeurs. Et si vous avez le courage de vos convictions, si vous êtes déterminé à suer sang et eau pour elle... Ah ! Faut parler de madame. Ou... Ok, bon, ça arrête. Alors moi, elle a avancé la voiture. Lincoln, Swear. Par ici. Je m'attendais pas à te voir ici. Je connais tes intentions. Je pouvais pas rester là à rien faire et regarder mon vieux t'envoyer dans le mur. Putain. Ton père s'est jamais vraiment intéressé aux détails. Mais il t'a pas dit que le type qui dirige la distillerie de Sweetwater s'appelle Carl Beavers. Un bouseux dur à cuire. Sa famille fait de l'alcool de contrebande qui revend aux boutiques du coin. Beavers a jamais dit où il gardait ses alambics? Il est suffisamment malin pour pas laisser les choses à la même place. Il paraît qu'il a une carte quelque part pour ses chauffeurs. Ça pourrait bien être utile. J'arriverai peut-être à forcer un de ces hommes à me dire où elle est. Il y a un autre type, un type du nom de Bear, qui surveille l'usine d'emballage de viande. Tu devrais aller le voir. Bonne idée. Merci de ton aide. À ton service, Lincoln. Si tu veux savoir ce que prépare Beavers, il va falloir interroger ces hommes. Non. C'est privé, madame. Alors. Non, ça c'est Burke. Les aspirations de Donnelly vont alimenter son désir de descendre sous. Bon. Ah bien.
sur un seul mot, le système nous empêche de recevoir une éducation, un travail. Il vous rend pauvre, affamé et j'en passe. Bref, il me dit, on a des pétards. Allez, descends. Des pompures. Bonjour, salutations et toutes ces conneries. Oui. Tu es Bear. Nikki m'envoie. Je l'épouserai un jour. Bear Donnelly. Je dois tout à Nikki. Elle m'a demandé de surveiller l'usine d'emballage de viande de Roberto. Qui dirige cet endroit? Un taré du nom de Sonny Blue. Il laisse faire les prêts usuraires du boucher et les extorsions. Ce sont de vraies plaies pour les gens du quartier. On peut trouver Sonny à l'usine Roberto? Aucune chance. Sonny se pointe seulement pour mettre la pression à ses gars. Mais j'ai entendu que l'un d'eux, Ralph, a été chopé en train de se servir. Ils sont en train de le travailler au corps dans l'abattoir pour savoir où est sa planque. Ça pourrait être pas mal d'aller le tirer de là. Je vais voir ce que je peux tirer des hommes de Sonny. Fais gaffe à toi, Bear. Sonny Blue fait peur à ses hommes. Il la boucle. Pourquoi ne pas essayer de faire davantage peur? Parce que je j'ai les barbales, mais... Ah, non, c'est une fois centré. attends. Non, pour faire d'infraction, ils vont encore me tomber dessus. Bah, c'est pas grave. Du coup, il m'a rajouté des points, lui. Oh, tout ça! Bon, on va faire tout, hein. Ah, lui, c'est 20 000 dollars. Ah, ok. On va essayer de pas chômer. Pardon, excusez-moi. Regarde ça. C'est plus l'heure de négocier, c'est la merde. J'ai eu l'occasion de redresser tes torts. Le laisser filer. Tout ce qui arrive maintenant, c'est de ta faute. Hein? Ah, mal au truc. Plaquage. Oh, lui, là, on va le défoncer. Hop, 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 hop. Oh! Mais arrête, salope! Hé! Hey. Aïe! Tu m'as fait mal, tu m'as cassé le nez! À la base, c'est lui, je voulais. Voilà! Oh, ben! Ouais! Où est-ce qu'il s'est passé? Oh, enfin, super! C'est les fratellis. Rends-moi mes balles. Merci. Je sais pas ce qui s'est passé avec la voiture, mec, on va la voler. Non. Suivant. Comme ça, pour enchaîner avec celui-là. Ah, il est 30 000. Ah, bah, on a des dus. Il y a de l'action avec Monsieur Black. Ah, bah, il y a encore un point à côté aussi. Cache-toi. C'est bon, il n'y a pas de civil. Il est là. Molotov. À un moment donné, faut arrêter d'être sympa. Je peux comprendre. Touché. Hey. Coulé. Oh,
Ah, le camion, faut le détruire aussi. Bon, un cocktail, hein. Ok. Bon, ça va. Ça fait combien? Un petit 11 000, non? Allez, maintenant, en face. Excusez-moi, jeune homme. Bah, je vous en prie, madame. Vous êtes très poli. Voilà. Deux. Ouais, ça me paraît bizarre. Vous allez à l'enterrement de Tuel? T'inquiète, dis rien. Dis rien. C'est des méchants ou quoi? Comment ça, les singes? Bah, pardon. Ah, ça s'inscrit, mon gars. Oh putain, merde. C'est même pas vrai, j'étais par là. Non, c'est bon, l'arme, c'est bon. Ouais, mais sous les méchants! N'abandonne pas aussi facilement! Ah, salut! Non, t'inquiète. Oh! Il m'a pété les pecs. Ouais, je crois pas parce que bon, bah, le bonhomme, il est pas fiable. Enfin, il est en trop de temps. Ok. Y'a rien à détruire pour aller un peu plus vite. Bonjour madame. Y'a un soin quelque part. Bon, ah. N'empêche, heureusement qu'il y a ça parce que. Ils mettent rien sur la carte. Ouais. Par contre, on était rentré par où? Ah. D'accord. On va tous en avoir un go, mais moi d'abord. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on l'a vu. Bon. Ah, il est sympa, il me laisse le temps de m'échauffer. Bon, bah écoutez, on va faire un autre point. On va faire là-haut.
Bon, par contre, on va retrouver la sortie et la voiture. Bon, déjà, on est dehors. Encore un point bleu ici. Bon. Il reste quelques points, donc à mon avis, les 14 000 de dollars en dégâts, ça peut le faire. Ouais, bah appelle les flics si tu veux, amuse-toi. Hop là, t'as perdu la tête, fallait pas m'insulter, madame. Ah, comme par hasard, il y a les poulets. Ah. Bon, ça on le fait pas après. Oh. Mais non, voyons. Tiens. Oh mais... Pourquoi t'appelles les flics toi? Voilà ce qui arrive maintenant. Ah ouais madame, t'es chiant. Oh. Oh non. Oh non. Pourquoi je l'ai tué? Tué. Monsieur l'agent, il y a un fou. Oh super. Oh super. Oh tout ce qu'il y a. Arrêtez, moi je vais paniquer là. Oh. Oh bah ouais, bah c'était sûr. Et pourquoi il y a des flics juste à côté? Bah les flics ils sont plus dangereux que les gangsters. Oh, de toute façon, même que je tue les trois lovats, tout ce qu'ils vont encore sur la route. Je sais pas si c'est fait exprès qu'ils mettent les flics devant, mais... Oh ! Perdu 11 000 ! Non ! Mais je m'en fous de la voiture ! Oh non ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? La première fois qu'on s'est défendu, le patron... Bah attends, je les ai encore mes sous. Et bien sûr, bonjour. Il s'est quand même fait étaler. Au cas où. Vous voyez quelqu'un à Pointe Verdun pour me débarrasser de mon fric? Pas de problème, Poussin. Je suis en chemin. Un jour, Marie a... Faut bien mourir une fois. Est-ce que je me suis fait juger? Ok. On se fait une bonne fois. Appelle-moi si tu as besoin. J'ai complètement dissapé quand c'est arrivé. Bon. Oh, comment faire? C'est compliqué ça. Ah, on passe pas par dessus celle-là. Non. Ah, c'est chiant. Bon, écoutez, je vais même pas insister. Je crois qu'il y a encore plein fois de points bleus. J'espère que ça va le faire. Comme par là, la police, ils vont pas les embêter.
c'est sucré sur le dos de Sonny Blue. Ou oui. Pas chier, on sera potes. Putain, enfin. Faire autant de mal, ça m'éclate pas. D'habitude, c'est un choc. Mais c'est pas nécessaire. Oh, putain. Mais moi, ce que tu dois, compris. Mon Dieu, je sais, mais arrêtez, pitié. Là, ça t'arrive. Tu sais, l'usine de conditionnement de viande. Toutes ces boutiques que le patron fait racketter. Tu sais où elles sont. Pour avoir besoin de toi, t'éloigne pas. Oh. T'inquiète, t'auras juste mal au réveil. Presse mille affaires. C'est pas ma voiture, c'est pas grave. Quoi, un état vidéo? Oh, mais y'en a marre, y'en a partout! Mais ils font esprit de tourner quand j'arrive. Hein. Oh, et puis derrière! Bon, on va d'abord faire ce point. Oh! Le moteur est big, gros, là. Oh, c'était sûr. Ça sert à rien de te cacher. Si. Mais il rentre ou quoi? Mais pour qui vous prenez? Ouais, oh, ouais. C'est pas le moment, monsieur. Tu veux que j'appelle la police? Bah attends, déjà là, voilà. Coucou. Police. La sopinaire, oh lolo. Oh que ça sent. Moi aussi je peux le faire hein. Et ah, oh mais sérieux, eh, ils vont m'énerver là. Attention hein. Je peux coller hein. Tu es le bienvenu ici tant que tu restes dans les ordres. Vous avez dit que c'était une fiotte, tu m'échapperas pas. Toi je sais que tu vas me balancer. Conseil de l'asticoté. Allez, on fait la même. Tu me vois? Oh, 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 c'est quoi ce bug? Mais décolle-toi du mur! Et puis merde, j'appelle les flics! Ouais, oh, et puis, merde, toi! Un petit claque. Le monsieur est parti faire une petite sieste. Ouais, mais on va pas s'amuser à faire des petits trafics comme ça, c'est un peu long. Wouah, je sais que c'est vous. Oh, oh non, vous voulez, après... Mais c'est quoi ces gens-là? C'est des balances. Merde, j'ai plus de cartouches. Oh, il y a de l'eau. Altercation
Oh super, voilà les flics. Oh, c'est vraiment la merde. Hein. Allez, prends le fric. Allez, prends le fric. Elle est sortie par là. Adieu ma voiture. Ah, quand je panique, ma voix elle monte dans les aigus. Oh bah, la mission juste à côté. Allez, allez. Non. C'est un objet. Je sais qu'elle veut bien faire. Salut, c'est là-bas. Pas intérêt à faire le mariage. Mais arrête de me pousser! Oh, par contre, j'ai pas de bol, hein. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Ok, il m'a redonné un petit peu de bol sur. Le problème c'est que si je fous un petit peu trop le bordel, la cible va s'enfuir. Bon, je vais peut-être essayer de contourner l'autre là-bas. Ah, on peut pas passer. Ah si, autant pour moi. Voilà. C'est pas normal comme bruit. On a le temps de siffler, c'est bon. Voilà. Chipoko. Elle m'entend pas de là. Oui, monsieur. Ah, il y en a un qui approche, peut-être que... Et ici. Ah. Voilà. C'est lequel qui vient? Bon, ouais, il m'a fait une feinte. Oh, c'est une zone interdite. Ouais, c'est vrai. Préparez-vous. Aïe. Eh, tu t'enfuis pas. Eh, tu t'enfuis pas. Viens ici, ça bête. Viens ici. On dirait pas comme ça, mais je suis de la police. Viens ici. Bon, oh, alors, eh, tu t'enfuis pas. De couleur armée signalée dans le district irlandais. Il m'a sur le tableau de bord, connard. Hein? Hey, bah, je t'emmène avec moi. D'où tu sors, enfoiré? Tu vas tout me dire sur le business de Beavers. Ouais, non, mais on a compris, on a déjà fait ça avec Monsieur Dirk. Oh non, arrête. Arrête la caisse. Arrête la caisse. Accouche, grouille. Avec tout ce que j'ai mis d'altitude, tu l'aurais plutôt au sol et tu l'as servi. Et je suis un homme mort. Dis-moi tout ce que tu sais. Lâche-toi parce que la route, elle est pas infinie. Hein. Ok, vas-y, bute-moi, j'en ai rien à foutre. T'as pas 36 solutions. Ouais, dépêche-toi, je perds le contrôle. Ouais. Le trick de Mio le profond. Je sais où il est planqué. Tu m'as énervé, sauf toi dessus. Mais pas moyen, je te laisse baver. Voilà, bisous. Ah non, là, je voulais être sympa, mais il m'a fait tourner en bourrique. Oh, par là. La route à l'endroit. L'avocat de James Earl Ray a annoncé que si son client était extradé, il plaiderait coupable du meurtre du docteur Martin Luther King Jr.
pour cause de troubles mentaux. Le Dr King avait été tué par un tireur d'élite le 4 avril sur le balcon de son hôtel à Memphis. Oh, pousse tout, oui, oui. C'est tout blanc. Ah bah cet épisode là les gars, c'est que de la petite mission hein. Alors moi ça permettra de commencer le prochain épisode sur une mission. Territoire ennemi. Alors déjà, non, c'est un lieu public, voilà. Ah, d'accord, tout ça. Alors, il y a un guetteur. Putain, je vais l'acheter de poule. Ah ouais? Ok, j'y vais. Oh, comme par hasard. On voulait encore un côté. Quoi, ça va? Seigneur, pitié! Hein? Ratchet! Attendre. Il est parti par là. Hein? Puis oui, ça m'amuse encore à frapper. Vérifiez là-bas, les gars. Pas moyen de savoir où il est. Il est parti par là. Voilà! Est-ce que je les laisse? Non. Non, je me suis trompé de touche. Désolé, monsieur au sol. Parce que j'ai vu qu'il y avait de l'argent. 500 dollars. Oh, tu chues. Ça fonctionne bien, ils sont bien cramés. Oh, plus de bol de la mitraillette. Alors du coup, l'émission jaune, c'est bon. Braquer le bar à flic. Oh super. Oh bah c'est torcher ces deux-là, comme ça on va s'y arriver. Comment tu veux que je braque ça, moi? Alors, on va essayer de faire le tour déjà. T'as rien à faire ici, moi. Excusez-moi, monsieur. Alors là. Oh non, il y avait des flics à côté. Ici central. On a un homicide dans votre secteur. Cours, Lincoln, cours! Cours pour ta vie! Aux unités présentes, contact visuel avec le suspect perdu. Ah, ça va être très très chiant. Oh non, les blocs! Oh bah c'est connu! Ah, quoi que. Ah bah non! Attention. Oh, ils m'ont pété un pneu. Bah voilà, à cause de vous, on a cassé la barrière des monsieur dames. Oh, je maîtrise. Oh,
Ouais, mais m'enlever combien de pneus? On les voit pas tirer, mais on a des pneus équipés. Oh, oh bah c'est foutu. Vas-y, prends la voiture familiale. Allez, viens là. Allez les enfants, on part en vacances. Oh, les blocs du jeu. Éteins la musique, faut se concentrer. Ah, mais là, j'arriverai jamais à l'esprit avec ça, hein. Ah, puis, c'est des bottes, hein, ils savent conduire. Faut pas se prendre un mur, hein, bah non. Oh, bah ouais. Waouh. C'est le moment de fuir, j'ai fait un barrage. Ouais, quand par là, il y a un flic aussi ici. Attends, je suis où là? Pourquoi il y a des ennemis là? J'ai pas vu. Bah ouais. Ça le balance, bah. Pourquoi tu tues tes collègues? Voilà. Oh mais. Oh, on est dans la merde! Au secours! Appelez les Power Rangers! Je l'avais dit, c'était nul comme mission. Oh, bah, j'ai déjà une voiture! Ah, ok. Oh. Déjà la petite zone. Ah! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué! Pour à peine, on va aller se manger sur lui. Par contre, là. Pardon, poussez-vous. Chérie, mais voilà. This is Remy Duval, and on the next Native Son, we'll be speaking with a man who's fought for this country in two wars and is now forced to defend himself at home. A true American hero, I'll be talking to Mr. Hollis. Super gangster en camion. T'es pas le bienvenu ici, enfoiré. Excusez-moi, autant pour moi. Je m'en vais, monsieur, je m'en vais. Ah, je suis bloqué. Je plaisantais. Platier. Mais oh. Ça te bouge. Ah bah lui est tombé. Oh. J'en ai marre, je suis toujours enterré. Qu'est-ce qu'il me raconte lui?
D'accord. Ah, il en prend encore. Ouais. Pas grand chose, mais il en faut encore. Comment ramasser un... Oh, 1500. Wow. J'ai laissé mes fenêtres ouvertes. C'est pas mieux que le camion, mais bon. T'as bien raison, j'aurais fait la même. Alors. Ouais, on a besoin de la police. Ouais, il y a des voitures volées dans le district irlandais. Du temps, allez vérifier ce qui se passe. Ah, on prend le choix, faut faire les flics. Hein. Pourtant, il faut pas grand chose. Hein. On a peut-être moyen, là, tu vois. Ça sauve ou quoi, ça? Ouais, ça passe. À toutes les unités, homme de couleur armée signalé dans le district irlandais. À vous de voir si vous souhaitez vérifier. Bon, on est reparti pour une poursuite, mon ami. Allez, je vais passer. Allez, allez. Non, je suis un gentil monsieur. Oh. Aidez-moi, les gens, aidez-moi. Faut plus les stères. Oh, mais y'a rien pour le SMI. Et puis, oh, pourquoi j'ai pris cette voiture là, moi? Eh bah, tant pis, moi je vais voir la madame. Allez, descends! Vas-y, les gars, tirez dessus! Oh oh! Oh là, les gars! Mec, tu sors tout, il sort de l'eau! Eh, ils s'en foutent, hein, franchement. Alors, ramène-moi, là, hein. Merde, je vais me mettre à couvert. Aux unités présentes, contact visuel avec le suspect perdu. Je dois recharger là. Oh, c'est un flic, ça. Oh, c'est un... Si je bouge, je suis mort. Ah bah, moi, j'ai plus de balle plus, donc voilà, t'as l'avantage. Ça part en sucette. Ah, des fumes, il y en a là-bas. Il y a rien pour ce que je... arrête, sors de ta voiture. Lui, tu vois, lui, il était assis en train de manger ses donuts. Le suspect est maintenant à bord d'un véhicule. Oh, je vais mourir, de toute façon. Oh, bah oui. Je suis mort en volant. T'as l'épisode quand même. C'est n'importe quoi là. Bon. En moins les missions sont faites. Y'a plus qu'à aller discuter avec les personnages. 5000 dollars, bon ça va. Bienvenue dans mon humble demeure. Oui. Et là, je crois que c'est avec la madame que je dois parler et le mec dans le bar. Et je suis toujours à la dèche. Ouais. Enfin, on va faire ça, on va leur parler et puis on arrêtera l'épisode 2. Tranquillement. Devers va pas aimer ce que t'as fait. Ah bah, c'était n'importe quoi tes missions. Fetson, t'as retenu l'attention de Carl. Il est retourné à la distillerie de Sweetwater. Tu sais comment il va réagir quand j'entrerai là-dedans? C'est un putain de bouseux démarré. Comment tu crois qu'il va réagir? Mais ce serait peut-être pas mal de le garder sous le coude. Personne ne connaît le Bayou mieux que lui. Je te revaudrai ça, Nikki. Je
Te le fais pas dire. Beavers t'attend. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer tout ça. Ok, et maintenant... Alors, attendez. Ok, ça fait une étoile. Et l'autre mec. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. Je suis à Pointe Verdun, et il me faudrait une nouvelle caisse. Ouais, je te l'amène tout de suite. Qui va arriver en premier ? Ouais, doucement. Tu vois quelque chose qui serait utile ? Fais-moi voir ce que t'as. Fais-en. Bon usage, je me tire. Voilà, bisous. Doucement, je suis là ! Stop ! Merci. Voilà votre voiture, patron. Merci. Ouais. Et j'ai pas mis mon point pour le monsieur. Voilà, comme ça, ils vont nous donner nos deux missions, puis on va s'y aller. Désolé. Non, c'est moi, madame. Personne ne paie Sonny Blue. Du coup, il est dans la merde avec le boucher. Sonny est au Robert Do. Son langage est devenu particulièrement fleuri ces temps-ci. Suppose que le boucher n'a pas trop apprécié qu'on perturbe les magouilles financières de Sonny. T'as raison, ça va chier dans le ventilo. Sonny tente de rétablir la situation, en clair. Il essaie de faire en sorte que les gens aient plus peur de lui que de toi. On verra ça, ouais. Fais profil bas en attendant que ça se tasse. Il paraît qu'un homme de couleur mystérieux fout le bordel dans les affaires de Sonny. Du coup, il attend à l'usine de conditionnement de viande pour l'affronter. Ok. Du coup, on a deux cibles. Affronter Carl et affronter... Sonny. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez les amis, après un épisode qui est parti en cacahuète sur la fin, ou même vers le début, enfin le milieu, tout était chaotique, et, y'a plus rien qui vient. Surtout les policiers qui font chier là. Bon bah du coup les amis, on arrête là, et on se revoit dès demain à 17h pour la suite de l'aventure sur Mafia 3. Voilà voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. C'était Willy, je vous fais des bisous bisous, ciao ciao.